Alors, on nous dit, nous avons une entreprise. Vente par correspondance des produits chimiques à destination des entreprises de nettoyage industriel. Introduction, il ne faut pas se casser la tête. Chef, je vais porter votre attention sur un point très, très important. Il y a beaucoup de gens, attendez, je vais changer de couleur. Il y a beaucoup de gens, où ils vont mettre l'entreprise, d'accord? D'accord? L'entreprise a dit Diruha comme classe. Non. Attention. C'est le système d'information tiens. Ne jamais modéliser le système d'information comme classe. Jamais. D'accord? Alors, produits chimiques à destination des entreprises de nettoyage, bon, on va voir. Il attend à lire des informations ou pas. Alors, elle souhaite déterminer les montants de port. D'accord? Et d'emballage facturé au client. Possible, il y a un client, possible, il y a un emballage. Mais on verra ce que le détail va donner. Alors, pour emballer ses produits, l'entreprise utilise 30 types d'emballage qu'elle achète, d'accord, auprès de fournisseurs. Donc, on va voir, donc, il y a le produit, c'est une classe, l'entreprise, non. Type d'emballage ou l'emballage, d'accord, c'est une classe. Le type classe ou l'emballage classe, d'accord. Certains fournisseurs proposent tous les modèles alors que d'autres n'en proposent qu'une partie, d'accord, voire un seul type, on verra, d'accord, un seul type. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Chaque produit, alors ça, chauffe, je vais changer de couleur pour vous aider à mieux comprendre. Chauffe. Chaque produit ne peut, d'accord, chaque produit ne peut être emballé, d'accord, que dans un seul type d'emballage. Multiplicité, hein. D'accord. Voyez, normalement, dans la première lecture, on doit d'abord simplement chercher les classes. Un emballage est caractérisé. Donc, emballage classe, puisqu'ils ont donné les attributs, donc c'est une classe. Et caractérisé par dimension attribut. Résistance à la charge attribut, son poids, sa qualité. D'accord? Trois niveaux de qualité existent actuellement. Nous dire la qualité, je vais vous montrer ça. Nous dire la qualité comme classe. On peut mettre la qualité comme classe. On peut simplement comme attribut. Je le vois, sauf que Hadi, elle est mieux. Je vous montrerai sur la correction. Alors, produit, c'est classe, d'accord, comme un produit est une classe, donc voici ces informations. Un fournisseur, c'est une classe. Alors, regardez, hein, ça c'est un exercice d'entraînement. Machine d'email, vous allez avoir ça. Machine d'email, vous allez avoir les informations, ben, de la simplicité. Hein. Le système d'information mémorise pour chaque emballage le tarif en vigueur. Pour chaque fournisseur, donc on va voir ça, c'est le système de mémoire pour chaque emballage, le tarif en vigueur pour chaque fournisseur. Donc là, vous allez voir, là, mémoriser l'emballage, ça c'est tarif avec le fournisseur. Normalement, le tarif c'est une information. C'est un attribut où là, il faut trouver où est-ce qu'on doit le mettre. Ça y est? D'accord. Commençons par le commencement. Commençons par le plus facile. Le plus facile, c'est nous allons prendre ça. Alors, nous avons, d'accord, nous avons produit. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour produit? Référence, désignation, description. D'accord, référence. Référence, référence. Vous connaissez chez nous il y a la désignation? Non? La désignation, oui, le nom. On a déjà parlé de ça. Désignation. Désignation. Description. Description. Désignation et description. D'accord? Alors, ça, c'est la première classe. Pardon.
Après, nous avons la classe, d'accord? Nous avons la classe du début. Nous avons la classe au début, ça. Nous avons la classe emballage. Après, on va faire les associations. Classe emballage. Dimension, résistance à la charge, le poids. Alors, vous avez classe emballage. Nous avons la classe emballage. Nous avons la classe emballage. Nous avons la classe emballage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour emballage? Dimension, résistance à la charge, poids. Dimension. Alors nous avons dimension, résistance à la charge et le poids. Alors chauffe, vous pouvez mettre une qualité et accessoire à qualité. La qualité, standard renforcé sécurisé. Vous pouvez mettre une la qualité. Non, vous pouvez mettre qualité, non. D'accord? Comme on peut mettre qualité comme classe. Je vais vous dire pourquoi. Vous pouvez mettre qualité, non. Qualité, vous pouvez lui donner une idée et vous pouvez lui donner une désignation. D'accord? Le nom de la qualité. On va mettre une association. Arrivé là. Hada attribut ou Hada attribut, on va voir c'est quoi, pourquoi c'est mieux d'avoir qualité par exemple Hinaya, d'accord, comme classe. Après, je vais fermer Hada la classe, d'accord. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, Drenahadi, d'accord, pardon, Drenahadi, Drenahadi, alors, drena emballage, ou drena produit, et il reste quoi? Il reste fournisseur. D'accord? D'accord? Il reste fournisseur, numéro, raison sociale, adresse. La raison sociale d'un fournisseur, d'accord? L'entreprise, ma kangoulouche, le nom de l'entreprise. De toute façon, que vous avez fait de l'entrepreneuriat. D'accord? Voilà. 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 Fournisseur. Alors, fournisseur. Fournisseur. Maintenant, référence, c'est ça? On a la raison sociale. Maintenant, Le nom, l'adresse. le numéro. Le Année, mon numéro et adresse. l'adresse. Numéro. Numéro. Maintenant, numéro. Raison sociale, maintenant adresse. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste à faire, n'oubliez pas Hadak tarif. Tarif. Hadak tarif, c'est un attribut. On va voir comment il faut le modéliser. Maintenant, on va aller chercher les associations. On va aller chercher les associations O. Hein. Donc, le système mémorise pour chaque emballage le tarif en vigueur pour chaque fournisseur. Mais on va trouver les associations. Non. Alors, on souhaite déterminer le montant de port et d'emballage facturé au client. D'accord? Pour cela, qu'est-ce qu'on a? Pour emballer ses produits, l'entreprise utilise 30 types d'emballage. Donc, ça, c'est la classe emballage. Ça c'est la classe emballage. Quelle achète? Quelle achète? Quelle achète? Achète? Association. D'accord? Qu'elle achète auprès de ses fournisseurs. Ça veut dire que nous avons une association entre emballage et fournisseur. Et nous avons pour emballer ces produits. On va emballer un produit dans un emballage. Nous avons association. Donc vous avez une association entre produits et emballage. Et vous avez une association entre emballage et fournisseur. D'accord? Alors, certains fournisseurs proposent tous les modèles, alors que d'autres ne proposent qu'une partie. Hadi, c'est une multiplicité. Je vais revenir sur ça. D'accord? Le cas, il est très simple pour vous encourager à travailler, à faire ça. Donc, nous avons trouvé
qu'il y a une association entre emballage et produit et qu'il y a une association entre emballage et fournisseur. Alors, ils nous ont dit un fournisseur propose plusieurs types d'emballage et d'autres, ils proposent moins. C'est-à-dire qu'une partie de Nisbalina n'était pas claire, là on va faire un. Ça veut dire qu'il ne peut être un fournisseur que s'il nous fournit au moins un emballage. Et il peut proposer plus, il peut proposer plusieurs. D'accord, regardez la phrase, il est un petit peu particulier. Regardez, le système d'information mémorise pour chaque emballage le tarif en vigueur pour chaque fournisseur. Il est qu'en maintenant, si on avait un emballage qui est toujours fourni par un seul fournisseur, yeah. On va parler de combien de tarifs? On va parler d'un seul tarif. Mais maintenant, il parle de plusieurs tarifs pour le même emballage. Et quand je vous dis l'emballage, l'emballage 1, Adamine, que je voulais le fournisseur 1, que je voulais un prix, ou bien je voulais le fournisseur 2, que je voulais un prix, Adam prix 1, ou Adam prix 2, ou bien je voulais le fournisseur 3, que je voulais un prix, prix 3. Donc, chaque fournisseur, le même, je parle du même emballage, ça veut dire, regardez bien, Adam prix de l'Hada, j'ai voulu fournisseur 1, ou Adam le prix de le même emballage, j'ai voulu fournisseur, allez, let's go, je vais acheter un produit, je vais acheter des tables. Je vais acheter la même table. Je vais l'acheter à un fournisseur, 400 dirhams. Et je vais l'acheter à un autre fournisseur, 380. Et je vais l'acheter chez un autre fournisseur, 420. Je parle de la même table, parce que c'est des fournisseurs qui me fournissent la même table, mais que chacun, il fournit avec un prix différent. D'accord? Donc, là, vous comprenez automatiquement que d'abord, la première des choses qu'on va comprendre, c'est qu'un emballage, il peut être fourni par un fournisseur. On parle du même type d'emballage. Allez, on va parler de ça après. Hein. Alors, un produit, il est emballé. Regardez, on revient à la phrase. Voilà. Alors, pour emballer ces produits, d'accord, un produit, certains produisent tout à fait, et chaque produit ne peut être emballé que dans un seul type d'emballage. Ça veut dire, c'est très clair, ils sont en train de nous dire, un produit ne peut être emballé que dans un seul type d'emballage. D'accord? Un emballage, nous pouvons dire un ou plusieurs produits. Tu vois, quand on dit un emballage, ça ne veut pas dire que je vais prendre un carton et je vais mettre dans le carton plusieurs produits. Non, le même type de carton, nous pouvons dire produit 1 ou un autre carton qui est le même. Il fait un carton, un produit, deux, etc. Donc, on ne peut pas acheter un produit et ne pas l'utiliser. Donc, il y a la notion de zéro, mustab'ad. D'accord? Si vous arrivez jusque-là, c'est trop bien. Si on fait qualité, on est qualité. D'accord? Je vais parler de qualité à la fin. D'abord, qu'est-ce qu'il vous reste? Le tarif. D'accord? Sauf, je vais mettre ça avec une autre couleur, je ne sais pas laquelle. On va mettre Hadi. Si vous mettez tarif là, vous êtes en train de dire que tous les emballages, si vous mettez tarif là, vous êtes en train de dire que tous les emballages ont le même tarif. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Donc, le tarif là ne peut pas être. Là, vous êtes en train de dire, si vous faites tarif là, c'est comme si vous êtes en train de dire tous les emballages du même fournisseur ont
le même tarif. يعني كاع لي زومبالاج اللي كيجيب لي واحد الفورنيسور اكس لو ميم غادي يجيبهم لي بنفس لو بري كاع لي زومبالاج ديالو. نو سي با فري. Il y a des emballages qui sont grands, il y a des emballages qui sont petits, il y a des emballages qui sont renforcés, etc. Donc, il faut lui trouver une place. Parce que normalement, quand vous parlez de tarif, parlez de quoi? Vous parlez du tarif d'un emballage fourni par un fournisseur. Et quand vous parlez de tarif, il vous faut juste les données. Parce que vous voulez quel fournisseur et vous parlez de quel emballage. L'emballage, d'accord, l'emballage, le fournisseur, il coûte 390 dirhams, mais le fournisseur. Ça veut dire que vous parlez de quelque chose qui doit être entre le fournisseur et entre l'emballage. Je vois la schématisation. La seule chose que nous avons qui est entre l'emballage et le fournisseur, c'est l'association. Il y a de l'association. Ça veut dire que le tarif, il doit être non. D'accord, pardon, je vais effacer un petit peu le tableau. Donc, le tarif, il doit être ici, entre, non, il doit être là, il doit être, non, il doit être entre les deux. Mais il ne peut pas être entre les deux, Rihaka, il doit appartenir à quelque chose. Nous sommes dans un diagramme de classe et un attribut doit toujours être dans une classe. Un attribut doit toujours être dans une classe. On va lui donner un nom, par exemple, on va l'appeler prix. D'accord? Ou une classe ne doit pas être représentée haka, indépendante des autres éléments qui sont dans le diagramme. Alors, on va faire des pointillés là. Ah, et ça, c'est ce que j'ai appelé Flecourt, une classe. Comment je l'ai appelé Flecourt? Classe d'association. Très bien, fouet. Classe d'association. C'est une classe d'association. D'accord? Après, je vais vous modifier un petit peu les schémas pour vous donner une autre représentation. D'accord? Maintenant, revenons. Je vais revenir sur qualité. Genre, la différence, par exemple, quand vous parlez d'un emballage. L'emballage a une des dimensions. Vous pouvez trouver que les dimensions d'un emballage, c'est rare qu'ils soient les mêmes dimensions d'un autre emballage. Par exemple, le poids d'un emballage, c'est rare qu'il soit le même qu'un autre emballage. Mais ne vous parlez de la qualité, l'égalouna, soit elle est standard, soit elle est renforcée, ou une autre. Vous allez trouver plusieurs emballages qui ont la même qualité, standard. Et vous allez trouver plusieurs emballages qui ont la même qualité, renforcée. D'accord? Ça veut dire, vous êtes sûr et certain qu'il y a un nombre d'emballages qui vont avoir la même qualité, c'est sûr, c'est sans doute. Et c'est préférable d'enlever la qualité comme attribut et la mettre comme classe ou une association. Et on va dire un emballage, bien sûr, il a une qualité ou la qualité un ou plusieurs emballages. D'accord? Maintenant, on va se poser les petites questions de tout à l'heure. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que l'emballage est un ensemble de qualités? Ou bien est-ce que la qualité est un ensemble d'emballage? Non. Est-ce qu'on peut dire que le produit, l'emballage est un ensemble de produits? Non. Est-ce qu'on peut dire que l'emballage est un ensemble de fournisseurs? Non. Est-ce qu'on peut dire que le fournisseur est un ensemble d'emballages? Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas. Yak, ce n'est pas logique. Donc, il n'y a pas d'agrégation fait de l'exemplaire. D'accord? Il n'y a pas d'agrégation. Donc, on laisse Koulchi, il prend sorte de multiplicité. Je vais vous copier Hada parce que je vais dire fait d'autres éléments, d'accord, je vais vous laisser comme ok, comme trace, voilà. Maintenant on va revenir Ena, on va revenir maintenant et je vais vous dire Ena. Alors, بالنسبة لهاد لا كلاس هادي
Hein, la classe d'association. Flux court, je vous ai dit, soit vous pouvez faire ça, d'accord, ou là, elle s'appelle bien une classe d'association, ou bien, vous pouvez faire ça, bien, vous pouvez faire ça. D'accord. Vous pouvez faire ceci, entre les deux. Prix. Tarif. D'accord. Maintenant, on va dire que un emballage, il a un prix. Le prix, il peut dire qu'on a plusieurs emballages. D'accord. Le fournisseur, il propose, d'accord, un ou plusieurs prix, ou le prix, il se a dit qu'on a un seul fournisseur. D'accord, dans le cas, c'est préférable de garder la, la première. Mais je vous dis. Alors, l'emballage, il a un seul prix. Un prix, bien sûr, dit qu'on a l'identifiant d'un seul fournisseur. Le fournisseur, il propose plusieurs prix. Ou le prix, d'accord, il peut être un de plusieurs emballages. D'accord. Maintenant, comment je l'ai appelé à des flux courts? Je l'ai appelé une classe, je connais à quel, une classe intermédiaire. Voilà, c'est une classe intermédiaire, d'accord. Donc, pour vous dire que, alors, il est préférable pour vous, d'accord, pour le cas de garder la première. Ou d'autres cas, on va trouver que c'est mieux de faire une classe intermédiaire que de faire une classe, d'accord, d'association. Ça y est, c'est bon là. Vous avez des questions, monsieur? Oui, oui, monsieur. Monsieur, vous dites fournisseur ou l'emballage?